les amis. Un hareng en cage, regardez comment ça crie. Je vais vous expliquer pourquoi un hareng en cage crie, parce qu'il est enfermé. Imaginez-vous que là, il est dans une cage. D'accord? Regardez bien. Attendez, j'attends qu'elle finisse de boire, parce que c'est une princesse. Hein. Non, par contre, je fais pas de la douche, on va rentrer en scooter. Non. Regardez, imaginez-vous qu'il est en cage. Hein. J'éteins la lumière. Hop. Donc, vous voyez? Imaginez-vous le soir quand vous allez dormir et que vous éteignez la lumière et que le hareng crie comme ça. Après, vos voisins vont supporter. Donc voilà les amis, quand vous prenez un oiseau, pensez à tout ça. Parce que moi, Tropico, elle crie jamais parce qu'elle est en liberté. J'arrive. Elle est en liberté la journée, le soir, elle est avec moi, elle a une chambre, etc. Mais pensez à tout ça. Tous ceux qui me disent je veux un hara, je veux un hara, je veux un hara. Bon là je vous le déconseille à tous un hara.